Marie-Chantal, Brigitte, tellement heureuse de vous retrouver pour les voisins. J'ai vu la pièce et ça a été un succès fou. Comment vous voyez la suite de tout ça, vu que les gens sont super contents de vous retrouver, là? Un fou succès. Ben oui, un fou succès. Non, mais écoute, ça peut pas faire autrement qu'être encore une bombe, là, ce show-là, pour vrai. C'est comme... Une bombe de rire, d'amour, de fun. Ben oui, mais pour vrai, je m'attendais pas, moi, à ce qu'un show... marche autant. Sincèrement, à la lecture, je ne m'attendais pas à ça, même si c'est très drôle à la lecture. Oui, c'est hein? vrai ce que tu dis. Mais mon Dieu, que ça marche! Oui. C'est comme si chaque réplique fait mouche. C'est vrai qu'à chaque fois, ça... Mon Dieu, hein, des flots de rire! Pourquoi vous pensez que ça marche encore autant? Moi, je pense qu'il y a, l'ordre de l'affection qu'on a pour ces auteurs-là, oui. Le classique que cette pièce-là est, puis ben, tout le monde se retrouve un peu là-dedans. Là. On en dit toutes des affaires de même. Parce qu'il y a le classique, puis en même temps, il y a du monde qui ne l'ont jamais vu, qui ne savent pas les répliques. C'est vrai, t'as raison. Il y en a qui savent. Il y en a qui savent, mais c'est vrai que c'est un grand classique. Mais c'est punché, c'est écrit vraiment de façon punchée. Chaque réplique est drôle. Moi, c'est pour vrai, je veux dire, je connaissais ça, mais pas tant, pas si bien le show que ça. Mais tu sais, je me rends compte à quel point c'est puissant, là. Puis effectivement, là, c'est tous des acteurs... Franchement formidable, là, tu sais. On s'adonne bien, c'est le fun. C'est le fun. Je pense c'est bien le fun. Oui! Et puis, je la complète ici, là. Ben moi aussi, j'ai envie de vous faire un câlin. On... C'est mon Dieu. Mais c'est pour ça que ça fonctionne autant, je pense, à les voisins. Puis là, il y a des nouveaux, ben, des nouvelles personnes qui entrent dans la gang. Comment vous les accueillez? Est-ce qu'ils vont avoir une initiation? Je veux savoir. C'est déjà fait. Ben, c'est oui. Déjà oui. Fait. La boisson, ah, là. L'initiation, c'est quand ils vont essayer leur costume. Oui, hein? Quand ils vont être obligés d'assumer leur costume et leur perruque. C'est sûr que ça, c'est un choc. Oui, c'est une étape. Puis, sincèrement, j'ai hâte de voir les perruques pour Michael, entre autres. Oui, Michael Gouin va être... non, pas Michael Gouin, oui. Michael Gouin va être le fils, okay. Tu sais, qui se fait aussi faire une permanente, ouais, là. C'est ça, exact. C'est donc, sûr. Michael va remplacer Pierre-Luc en alternance, puis Catherine Paquin-Béchard va être remplacée par... Élodie Grenier. Exactement. Exactement. Parfait. Ouais. Fait que initiation, écoute, je pense que tout le monde s'attend à avoir beaucoup de plaisir. Tu sais, je pense qu'on a comme... Ouais. Je pense qu'on est tous du monde qui aimons être ensemble, qui aimons... Puis j'ai pas l'impression qu'on répète quelque chose qu'on a fait parce qu'il y a tellement de nouveaux mondes que c'est comme une nouvelle partition. Ouais, ouais. Que moi, je suis contente. Ça fait la deuxième fois que je travaille avec Brigitte, finalement. Mais là, j'ai dit, je vais juste prolonger un plaisir. Puis en même temps, on a une certitude qu'on sait que ça va marcher. Oui. Que... Moi, je parlais avec Rémi Pierre tantôt, puis je lui demandais, tu sais, vous êtes une gang de tannants. Y a-tu des tours qui se jouent? Y a-tu des tours qui se sont joués un petit peu? Bien, Pierre-Luc puis Catherine, ils étaient pas pires là-dedans. J'imagine. Où, ils se donnaient des défis, en fait. C'est plus des affaires de défis. T'sais. Mettons que Catherine arrivait tout le temps, chaque soir, avec un objet différent dans les mains, comme si elle revenait d'un party puis qu'il arrivait des... Fait que, tu sais, des fois, ça nous faisait rire un peu nous-mêmes, mais on est quand même des gens professionnels, là. On essayait de pas fendre à outrance, tu sais. Il y a des fois, on a fendu... Oui, c'est arrivé des fois. Oui, mais là, au bout de... 4 shows en 2 jours. Mais les gens aiment ça aussi. Les gens aiment ça quand ça arrive. Plus fragile. Là, on a parlé des répliques cultes. Puis moi, quand je suis allée voir la pièce, les gens répondaient. Ça vous arrive, ça? Comment vous réagissez quand les gens répondent puis ils disent les répliques? La première fois, ça fait un petit sursaut, hein? Ben oui, mais ça défait le beat. Tu sais, on est habitué d'enchaîner. On pense qu'il se passe quelque chose. La première fois que c'est arrivé, j'ai pensé que quelqu'un avait quelque chose dans la salle. Mais non, il venait de dire ma réplique. Ah ben, c'est super! Là, je m'attendais après. Mais c'est ça, de jouer un classique. T'sais, c'est vrai qu'on peut pas s'attendre à ça, là, t'sais, mais ça prouve à quel point les gens sont attachés au show. Ouais. Ça prouve à tout le monde. T'sais, on met une réplique sur Internet, puis il y en a 100 répliques après, à la suite, là, des gens qui mettent « Ah oui, puis la mayonnaise! Ah oui, puis la... » J'étais là-dedans, moi aussi, j'ai commenté déjà. Ben, je comprends! Mais c'est quoi vos répliques favorites à vous autres? Que ce soit votre personnage ou un autre, là, tu sais? Quand il dit... il parle de... C'est Pierre, le personnage de... Ouais, je pense qu'on avait la même. C'est un beau brin. Oui, non, je cracherais pas dessus. Ah, oui. Non, mais où il demande... C'est-tu un beau brin, la fille que tu as rencontrée? Elle est assez brin. Ouais. C'est pas une beauté, mais pour une première blonde. J'y cracherais pas dessus. J'y cracherais pas dessus. C'est ça. Mais écoute, tu sais, toutes les répliques... En fait, tu sais, souvent, c'est de la comédie de situation. C'est qu'ils répondent tout le temps une phrase que... C'est pas tout à fait la bonne affaire qu'il aurait fallu
qui répondent. C'est comme des erreurs de langage, des fois. T'sais. Fait que, des fois, dire une réplique de même est moins drôle, mais dans la situation, c'est hilarant. T'sais. Fait que, voilà. On va aller voir ça cet été. Votre été ressemble à quoi, mis à part les voisins au 10-30? Moi, je vais faire des lectures théâtrales des 10 mois de Marie avec, les événements, les arts d'été. Alors, c'est des lectures théâtrales. Je vais lire. Mais là, il va falloir que je fasse une version d'une heure et quart, là, parce que le livre doit durer 2 heures, à peu près. Donc, c'est ça. Je fais ça une couple de place à Montréal, puis dans le Québec. Puis sinon, bien, je fais les voisins. Ben, moi aussi, c'est très théâtral. Je tourne un peu dans la discussion avec mes parents aussi. Puis j'écris, moi aussi. Je me suis mis à écrire. C'est un nouveau défi. J'adore ça. On va-tu voir une pièce de Brigitte Lafleur? Bien, c'est pas une pièce, mais on verra. On verra. On lance ça dans le ciel. Ben, je suis bien contente. On va aller vous voir. Et là, il faut acheter des billets rapidement parce que ça part vite, vite, vite. Est-ce que vous voyez encore en tournée une couple d'années avec les voisins? Parce que ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, ça, là. Je pense que les choses vont... Ah, à moins qu'il y ait un nouveau... Écoute, je le sais pas, mais tu sais, on le sait pas. Il peut y avoir une autre pandémie. Oh non. On est au jour le jour. Ouais. Moment présent. Là, on est juste chanceux d'être une si grosse, belle gang ensemble. Parce que ça va être difficile de retrouver toute cette jolie gang. Tu sais, c'est tout du monde qui travaille beaucoup, là, tu sais. Fait que c'est... On en profite cet été parce que c'est là qu'on va voir les voisins, si vous ne l'avez pas vu. Avez-vous joué devant Claude Meunier? Oui. Il était la première. Oui. C'était comment? Oui. Il était content. Il était super content, vraiment. Fait qu'on était content. Après, on était vraiment heureux. Bon, moi, je suis contente de vous avoir rencontré. Vous êtes magnifique. Merci. Bon été. Bye.